Salut les amis, alors aujourd'hui on est au Grand Puy, donc on va tester un peu le bike park. Donc évidemment on va pas pouvoir le comparer à de grands bike parks parce que c'est un truc qui est plus ou moins municipal d'ailleurs. Il n'y a pas spécialement de bike patrol ou de shaper attitré, c'est deux personnes de la commune donc qui font un peu de leur mieux. C'est bien, moi je l'avais fait l'année dernière. C'est une bonne petite station qui est près de Digne, c'est à une demi-heure de Digne. C'est pas cher, bon c'est sympa, puis voilà, il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà, donc il y a une verte, une bleue je crois, deux rouges et une noire. Et cette année en plus un itinéraire enduro, donc on va tester tout ça. Et on fait un retour, un petit bike park check. Voilà, comme on a fait jusqu'à présent, ça doit être la 5e ou la 6e station. Donc on voit ça en vidéo. Allez, à plus. Allez, on va se faire la noire. Roche close. Alors attention, au début c'est du virage à plat. Ça glisse. Bonne position. Virage à plat dans l'herbe comme ça. Un peu d'ingest. Là ça commence à taper un peu. Voilà. Faut rester bien souple sur les parties comme ça là. Il ne faut pas chercher à aller très vite. Il faut garder du flow. C'est ce qui fait la vitesse. Voilà. Là, j'aurais pu aller chercher à gauche. Donc c'est là où on manque peut-être un peu de visibilité. Là, on est à gauche. C'est pareil. Un petit panneau, ça aurait été sympa pour rappeler. Et là, on va rentrer dans la partie où ça va taper un peu, il y a de la pente, on va ouvrir bien les virages. Ça fait partie des trucs à modifier. Voilà, là vous voyez, on est sur des passages très naturels. Faut faire attention, on met les roues. Mais c'est vraiment pas mal. J'aime bien. Gardez le regard loin. Passerelle. Et là on lâche. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rocking with the people who be following me when I never thought it would happen and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got, I never knew one from the bottom, but now I've had enough. Please stay away, find a new hobby, cause you've been too close to my personal space. Don't make me call out your names, but I'll go there and you gonna make me put you in your place. I'm trying to put my whole crew in a race, came a long way from that minimum wage. Funny how money be bringing out people who never remember the time that they paid. Count it up on my two hands. If you wanna talk, I need two bands. I don't play around with no loose ends. And I never wanted no new friends. I keep it real, you can ask the fans. Don't get involved if you're not my fan. But if you were willing to sacrifice when I roll the dice, then I'm counting you in. Say once, day once. No time for fake ones. Got me, I got you. All dreams, they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make M's. No time for fake friends. Ain't about money, it's about being loyal. Cause when I had nothing, they stayed on my soil. The grass might be greener on the other side, but not for the ones who left me out to dry. I can forgive, but I never forget. Money is power, but can't buy respect. If you've been focused on credit or debit, then I'ma pay you a reality check. Some of the richest be feeling depressed. Material shit don't compare to the rest. I move around with my real ones. Hey, Micheline. Quoi, ça, c'est les natures, hein.
pleut, elle part de là. Oula. Excès d'optimisme. Ah, attention, c'est assez défoncé. Il y a de la caillasse. Ici des portails à vache là. Pas toucher le guidon. C'est ça quand je disais, les appuis en fin de virage, on perd l'appui et c'est dangereux. Vous voyez, c'est quand même cassant pour une bleue. Hein. Faut se méfier. Hein. Faire attention où on met les roues. C'est bien, hein, mais pour une bleue, c'est cassant. Suivant le niveau, ça peut faire mal au bras. Attention, c'est à plat dans les racines, les cailloux. Après c'est bon, c'est enduro. Hein. Franchement, moi je me régale. Ça tape dans les bras, mais c'est obligé d'être concentré. Là, ça mériterait deux ou trois coups de pelle. C'est fatigué. Les appuis sont inexistants. Mais bon, c'est roulable. C'est roulable. Simple. Là, ça va être un peu plus cool. Là, il y a des beaux relevés. Double. Voilà le step-up. La pédale est raide. C'est pas plus mal. Là, champ de racines. Tension des verres. On va faire une petite récap de la station. Donc, bon, à savoir que c'est une station communale. Donc, il faut pas s'attendre à ce qu'il rivalise avec des grosses stations environnantes. Mais bon, c'est à une demi-heure de Digne. Le télésiège est propre. Bon, c'est pas indébrayable. Alors effectivement, c'est pas super rapide, mais il est neuf, enfin quasiment neuf. Donc on a une piste verte, une piste bleue, deux pistes rouges, une piste noire et un itinéraire rouge enduro. Donc pour les points forts, c'est sauvage, naturel. Il y a de la place pour se garer. On est dans les Alpes du Sud, donc le climat est bon. Il fait moins chaud qu'en plaine, mais bon, on n'a pas trop d'aléas climatiques. Voilà. Après, c'est une station familiale. Il y a deux mecs sur le télésiège qui sont employés communaux, donc il n'y a pas de bike patrol, il n'y a pas de shaper à la journée, donc vous attendez pas à avoir des autoroutes shapées à la folie avec des trucs de ouf. Ça reste assez sauvage, il y a pas mal de naturel. C'est assez défoncé parce que le terrain est comme ça et qu'ils peuvent pas être 24-24 sur les pistes. Donc voilà, il y a un snack, il y a un resto,
Le forfait est à 11 euros la demi-journée, il doit être à peu près à 15 euros la journée. 11 euros la demi-journée, je pense 15 euros la journée. Donc ça reste vachement raisonnable. Les gens sont très sympas. Voilà, après, pour les points négatifs, ça tape un peu dans les bras, mais bon, c'est ça peut être aussi un point positif pour s'entraîner. Voilà, dans la bleue, on a des appels. Dans la bleue, je pense que voilà, dans la bleue, vraiment, je pense qu'il faut refaire un petit peu, au moins la fin des virages en appui, parce que le début est pas mal, mais à la fin, ils s'aplatissent et on perd le grip. Il y a 2-3 appels, 2-3 bosses qui sont un peu dangereux, je trouve, sur la bleue. Je pense qu'il faudrait notamment la double là qui kick fort et qui est pour moi inutile et un peu dangereuse. Les 3 hoops là au début, ça c'est pareil, ils sont chépés trop profond. C'est, à mon avis, ça il faut les casser un petit peu ou faire simplement une double, enfin, ou une table ou quelque chose qui peut être pas mal. Mais ça, je trouve que c'est pas top. Après, c'est mon avis, hein, attention. Après, la noire, elle est ouf. Franchement, elle est ouf. Elle est vraiment bien. Elle est vachement naturelle, très endurisée. Beaucoup de racines, de la pente, une passerelle à la fin. La noire, elle est vraiment ouf. La rouge, l'aiguillette, elle est vraiment bien. Il y a une passerelle au début, bon, qui est un peu décalée. Il faut faire gaffe, donc il faut bien la prendre à droite, sinon on plonge à gauche. Elle est vraiment bien. Il y a du speed, il y a de la pente. Bon, la passerelle en bas qui est en dévers, je suis toujours pas fan de ça. Je pense qu'il faudrait la refaire. Au moins, peut-être la diviser en deux, laisser l'appui en haut pour ceux qui veulent et mettre un appui plat au milieu pour essayer de faire ça sans avoir trop de frais. À savoir qu'il y a une nouvelle arrivée cette année, on rate la petite passerelle qui était en bas, qui était sympa, mais par contre cette année ils ont fait donc une fin dans les terres grises là, avec des vrais virages en appui qui sont vraiment bien shapés, vachement haut, et où on peut passer sans freiner, c'est vraiment bonnard. Simple point nord, dans un virage en appui, il y a un écoulement pour l'eau à la sortie, et franchement c'est très mal foutu, c'est très dangereux. Donc ça, moi je pense qu'il faut vraiment ou mettre une passerelle, ou faire quelque chose pour pas que ça soit dangereux, parce que si t'anticipes pas, ça pue l'OTB. Après, la Micheline, donc, qui est la deuxième rouge avec un départ commun à l'aiguillette, donc ça, c'est très très enduro avec une petite relance, donc ça c'est très naturel, très enduro, c'est vraiment bon aussi, c'est vraiment sympa. La bleue, bon, la verte est très bien pour la famille, la bleue est, je trouve, un peu cassante pour une bleue, voilà, et essayer de peut-être refaire un petit peu ces appels qui sont à mon avis un peu inutiles. Et le tracé enduro, il est ouf aussi, franchement, il est vraiment bien, il y a de la relance, tout. Par contre, attention, c'est un itinéraire aussi pour les piétons, donc faites gaffe. Et puis voilà, on a fait un petit peu le tour des pour et des contre. Moi, je pense que c'est une station qui vaut le coup, qui est méconnu, mais qui vaut le coup, qui s'améliore d'année en année, qui est pas cher, qui est près de tout, et franchement, ça vaut vraiment le coup. Enfin, moi, par exemple, à choisir entre Vars et ici, ben, je prends ici, hein. Je suis désolé Vars, mais Vars, il y a vraiment du boulot à faire sur votre station, par exemple. Donc voilà, c'est super beau, et non, franchement, j'aime bien le Grand Puy, je valide. Donc n'hésitez pas à venir les voir, ils sont vraiment très sympas, et ils font un ou deux derbies dans la saison, des petites courses comme ça organisées en départ à l'américaine, ça c'est vraiment sympa. Et sachez qu'ils sont, bon, ils sont pas ouverts tous les jours, donc regardez bien sur leur site, et ils sont ouverts jusqu'à fin septembre, mais que les week-ends. Mais bon, c'est bonheur aussi d'être ouvert jusqu'à fin septembre. Donc voilà, n'hésitez pas, et si j'ai oublié quelque chose, si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire, et je vous laisse découvrir le reste de la vidéo. Bye. Oui, une dernière chose quand même que j'ai oublié, si vous pouvez penser à mettre des petits panneaux signalisant, par exemple dans l'itinéraire enduro, que c'est piéton et VTT, parce que ça peut être dangereux. Et sur la noire, à mon avis, des petites flèches pour aider là, parce qu'il y a des endroits où c'est un peu chaud pour retrouver la trace, et ce serait top. Voilà, merci la station, c'était un bon moment. A plus. Itinéraire piéton aussi. À tes souhaits. Bam, bam, une bonne caisse en plein milieu. Voilà. Tout ce qu'il faut pas faire, résumé en un seul geste. Nickel. Allez, on soude. Allez, itinéraire enduro. C'est superbe. Oh, Bourrinos, c'est moi. Thank you.
Fais gaffe, là, il y a du vide. On va se décoiner un peu. Là, vous voyez, joli vide à gauche. Oh, ça l'est. Oh l'enculé, ventre vide en plus. Oh con, j'ai rien dans les jambes. Attention, il y a de la pente quand même. On dirait pas sur la vidéo, mais... il y a quand même pas mal de pente. Et là, faut faire gaffe ici. C'est un ancien DFCI, je sais pas, c'est bizarre. Faut être super vigilant. Alors, méfiez-vous sur la fin. On dirait pas sur la vidéo, je pense, mais il y a des monts, des amonts pour que l'eau s'écoule. Et c'est assez dangereux, faut faire gaffe. Voilà, bon itinéraire enduro, le top.